Salut les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Donc ça commence tout de suite. On va essayer de mettre un Pokémon dans cette arène. Donc je suis pas... Non, pas comme ça. Ah, ok. Ah, ça s'adapte, c'est cool ça. Donc on va mettre un Pokémon. Donc comme vous voyez, tac, tac. Hop, je vais prendre les CP. Et mettre un petit Aqualie. Voilà, parfait. Hop, donc tout simple. Donc comme vous voyez, j'ai mes deux mains. Hein. Donc mon Aqualie est plutôt sympa, donc il est tout à la fin. Donc comme vous voyez, je vais pas prendre les Poképièces en fait. Je vais pas les prendre maintenant. Je vais prendre quand j'aurai mis peut-être sur les trois en fait. Donc voilà. Et normalement, je pense que ça devrait être bon justement sur les trois. Donc j'ai le petit bonnet de Noël parce que c'est bientôt Noël. Et parce que voilà, ça me faisait plaisir en plus. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. On se retrouve tout de suite pour la suite. Ciao. Re les amis, donc on se retrouve pour le moment parce que j'ai 3 œufs qui sont prêts à éclore. Donc comme ça, voilà, en fait j'ai voulu expérimenter un truc, c'est la facecam pendant que je joue à Pokémon Go. Donc on va déjà commencer par un œuf, on va essayer d'avoir un des nouveaux bébés de la deuxième génération. Ça m'étonnerait. Ah, je crois que j'ai pas de Smogogo, donc on fera peut-être une petite séance d'évolution après. Ouh, il est beau en plus. Ah ouais, cool. Un deuxième. C'est cool, c'est cool. Là, je vais peut-être monter un peu le son du jeu. Un sablero. J'ai pas encore un sablette. J'ai pas encore de sablero, voilà. De toute façon, c'est pareil dans le même sens, dans l'autre sens. Hop, donc. Allez. Et un petit tartare. J'ai pas encore de tartare. En gros, tous ces œufs sont plutôt bien tombés, mais pas tellement non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Bah, c'est pas grave. Donc là, comme vous voyez, j'ai marqué un Pokémon qui est apparu dans le radar. C'est Onyx, parce que je l'ai pas. Je viens juste de l'avoir justement depuis que je suis arrivé dans ce parc. Donc voilà. Donc pas de problème. Je viens. Hop. Je regarde si mon Pokémon est toujours dans le. Comment ça s'appelle? Donc j'espère que la caméra bouge pas trop. Donc un Evoli, on va le capturer. Ça coûte pas cher. Donc j'espère que vous voyez pas trop le téléphone. Tac, un petit joli. Hop, super. Ah, il ressort, fichier. Merde. Donc on va mettre, je pense, un Voltaire ou un truc comme ça dedans. 1, 2, 3, voilà. Hop. Donc le petit Evoli qui passe bien. Tac. Donc 150 XP. Ben, ouais. Donc on va aller mettre un Pokémon sur cette arène. Et on va aller à la suivante qui se trouve là-bas au bout. Vers le Onyx. Et puis on se retrouvera quand même un peu avant, je pense, pour le Onyx. Hop. Hop. Et on va mettre. Ah merde, je l'ai pas encore l'Iboudou. Donc c'est un peu dommage. Tac, on va mettre le Pyroli. Hop, allez. Tac. Oh, voilà. En fait, en ce moment, j'ai l'impression qu'ici, c'est un spawn d'Onyx. Parce que j'en ai beaucoup. J'en ai déjà eu un tout à l'heure. Je vais tenter, hein, sincèrement. Je tente. Merde, oh bah. Gaspillage de Pokéball. Ici, en fait, je suis venu ici parce que j'ai une strat qui consiste justement à tourner en rond. Et comme ça, on chope un max de Pokéball, Hyperball, Superball. Et après, on chope des Onyx comme ça. Donc, ça fait double caméra pour vous. Donc voilà, hop, je m'en fous. Au pire, je le virerai après. Donc, j'ai mis mon Pokémon. Donc voilà, hop. Le Pyroli, donc il y est. Donc maintenant on va se retrouver pour mettre sur la dernière arène et on prendra les Poképoints. Voilà. Donc par contre aussi avant, donc on va mettre un œuf. Ah, j'ai un œuf de 10 km. On va prendre l'œuf de 2 km parce que j'ai qu'un seul incubateur. Là tout à l'heure j'en avais 3 parce que on me les avait offerts pour un. Parce que j'avais gagné un niveau. Et normalement l'œuf de 2 km, je devrais pouvoir le faire éclore en vidéo. Donc voilà. On va dire, je fais avec le temps que j'ai. Donc on va essayer de retrouver l'Onyx et l'autre Onyx. Et puis, reprendre. Hop, voilà. Donc là, non, vous devez avoir les deux écrans. Je ferai le montage de toute façon.
J'essaye de faire de mon mieux pour que ce soit propre. Donc j'ai capturé un Onyx hors vidéo. Mais à part ça, j'ai pas fait grand chose parce qu'il est apparu comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Hop. On va aller mettre notre Pokémon dans le Pokéstop. Et vérifier que les deux autres y sont encore. Oui. Pardon. Donc. What? Robin, je m'en fous. Je m'en fous moi que tu sois trop loin. C'est pas toi que je voulais, c'est lui. Et là. Ah il est trop loin. Donc il y a toujours un Onyx. Je pense que là où je suis, c'est un spot à Onyx en ce moment. Donc par contre le problème c'est que merde. Oui. Hop. Donc voilà. Et ok, donc j'ai un Pokémon quand même assez balèze dans le machin. Donc là, on a 3 Pokémon dans le Pokédex. Merde. Donc on va ramasser boutique, je crois qu'il faut aller, ouais. Hop, putain. Je n'ai jamais ramassé autant. Donc j'espère. Ouais, ça fume, c'est bon. Donc, comme vous voyez pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de Pokéball. What? Qu'est-ce qui stream? Un petit Evoli, allez hop. Je l'attrape en direct, hein. Pas de soucis. Hop, en plus c'est pas très gros. Bon, je fais pas forcément des lancers superbes, des backflips, frontflips, tout le bordel, je m'en fous. Donc, hop. Donc un Evoli, je te tiens. Donc j'ai déjà, comme vous avez peut-être pu constater, toutes les évolutions d'Evoli. Donc j'ai vu qu'il y avait un Onyx, parce qu'en ce moment c'est la partie Onyx. Ok, deux Onyx. Ah ouais, lui il est plus près, donc je vais le prendre là. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup beaucoup d'Onyx. Vraiment beaucoup, donc on va aller le chercher, il est juste à côté. Je suis à quelques mètres de lui. Donc je suis dans un parc exactement, parce que je voulais peut-être pas préciser, que bon, j'ai pas forcément besoin de préciser où je vais. Dans un parc proche de Lyon, donc assez sympa et tout. Donc déjà, on a un Nidoran. Tac. Je le prends parce que j'ai pas de Dido Queen. Parce que sinon. 1, 2, 3, voilà. Donc le jeu franchement aujourd'hui est vieux. Là j'ai vu qu'il y avait la deuxième G qui venait d'arriver en partie. Bien sûr tous les bébés et tout le bordel. Donc là on y est. Hop, on prend le petit Pokéstop. Hop. Voilà. Voilà le Onyx. Donc j'aime bien ce que le nouveau radar. Ouais bon, lui. What? Elle est passée carrément derrière. Oh. Il va me faire des splits. Mon Pokéball, ce con. Voilà. Bon, excusez-moi pour cette vulgarité. Hein. Mais il l'a bien cherché. Donc. What? Niveau. Mais t'as été sérieux? Niveau 97, tu sors de ta Pokéball alors que le niveau 400 est pas sorti. Bon, là, comme. Putain, mais merde. Je deviens vraiment idiot. Je joue pas assez en fait. C'est ça le plus gros problème. C'est que je ne joue pas assez. Et par contre je sais pas si le micro va être bon parce que peut-être qu'il y aura un peu d'écho de du jeu vu que là je suis en haut-parleur. Ah ok. Donc tac. Donc lui il est tout petit. Là vraiment c'est la. Je vous dis, je suis arrivé dans ce parc. J'avais aucun Onyx. Et là j'en ai déjà 3 ou 4. Hein. Non pas les PC, les découvertes. Merde. Donc là ouais déjà donc, j'en ai 3, 4. J'ai 4 Onyx, tous capturés je crois à la Pokéball. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Donc j'ai une strat pour avoir beaucoup de Pokéball et tout ici. Donc, Pokéball, Super Ball et tout bordé. Et vous voyez ce que je veux dire. En gros, il faut faire un tour de 100 decks. Ok, bon, bah, je le voulais, mais bon. Donc on va tester un peu comme ça. Hein. Non, mais t'es sérieux là? Ah mais il se fout de ma gueule. Voilà. Allez, super en plus. Donc là, non, il devrait pas s'échapper tout de suite. 1, 2, 3. Voilà. C'est ce que je comprends pas. Là, c'est un niveau 300. Il n'est pas parti du tout.
alors qu'un niveau un niveau 97 s'est échappé comme ça, hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Tac tac tac, et un autre. Ok, donc il est derrière nous. Donc avec la strat que je vais vous expliquer, ben, c'est pour moi, parce que là en gros on tourne en rond, et le fait de tourner en rond fait qu'on a de les Pokéstops, on le temps de repasser au bleu, et en gros on peut les reprendre à chaque fois. Mais what, il y a encore. Ah, lui par contre il est plus proche, je crois, sur le chemin lui. Donc si on se dépêche un peu, je pense qu'on peut le choper. Et ça peut être sympa. Franchement, le système de radar est trop simplifié. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de recherche. Il y a juste à aller chercher le Pokémon. En fait, c'est tout servi sur un plateau. Mais là, vraiment, il y a un gros spawn de Onix ici. C'est énorme. J'en avais pas du tout. Je vous l'ai déjà dit, je le sais. Je me répète, mais j'avais pas du tout de Onix avant de venir ici. J'arrive sur le parking du parc. Et là, pouf, un Onix. Merde, j'ai fait putain, merde, je l'avais pas et tout. Comme ce matin, je suis allé un magasin, vous devez certainement connaître si vous regardez cette vidéo, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo et tout le bordel, vous devez connaître LDLC. Je suis allé à ce magasin ce matin, et à chaque fois que j'y vais et que j'ouvre Pokémon Go, j'ai toujours un nouveau Pokémon enregistré dans le Pokédex. Il y a une semaine, j'y suis allé, j'ai eu Scarabrupt, et cette semaine j'y suis allé, boum, j'ai Ferrosinge. Bon, j'avais des Colossinges, hein, mais j'avais pas les bonbons suffisants pour avoir le Colossinge. Voilà. Donc, ce qui fait que ça m'a arrangé un peu, même si j'aurais voulu le faire éclore. Donc, voilà. Mais bon. Donc, moi, j'attends impatiemment la deuxième G. D'après ce que j'ai compris, la deuxième G devrait arriver le 29 décembre. Et ils auraient parlé peut-être... J'ai entendu parler du fait que pour le 29 décembre, il pourrait y avoir Ho-Oh qui spawnerait. Donc voilà. C'est ce que j'ai entendu, bien sûr. Donc c'est pas forcément ce qui va se passer ou quoi que ce soit comme ça. Hein. Faut bien faire la différence. C'est ce que j'ai compris. Donc voilà. Après. Oh, il y a un deuxième. Ah, mais on l'a vu celui-là. Ouais. Donc, deux Onix dans le radar. Est-ce que... Si, je crois que je peux pouvoir passer par là. Ok. Hop. On est go. Je sais pas, je vais voir ce qui se trame. Parce que j'ai l'impression que je peux pas passer par là. Non, je peux pas pouvoir passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. C'est vraiment une vidéo que je fais pour surtout pour Noël, parce que pour Noël... Ah si, aujourd'hui j'ai eu deux Pokémon inscrits à nouveau dans le Pokédex. Des Pokémon que vous avez trouvé complètement stupides, parce que même moi j'hallucine, quoi. Aujourd'hui j'ai eu mon premier Eevee. Pikachu. Donc, j'ai jamais eu Pikachu auparavant, hein. Vous moquez pas, mais c'est vrai. J'ai jamais eu de Pikachu auparavant. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, le but, ce serait d'essayer d'en avoir d'autres. Surtout qu'en ce moment, il y a la mise à jour qui fait qu'ils ont un bonnet de Noël. Donc, voilà. Donc, on va essayer de capturer le Onix. Ça va pas être donné parce que là, on s'éloigne un peu. Donc, hop, qu'est-ce qu'on a dans le rat? Oh my god! 3 Onix dans le radar. Oh my god. Oh my fucking shit. 3 Onix dans le radar. Je sais pas si vous vous rendez compte. À dire que moi j'en ai jamais eu. Bon, je suis pas quelqu'un qui va toujours sortir pour aller jouer à Pokémon Go. Ça c'est vrai. Mais c'est quand même la première fois que j'en ai un. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il a été modifié le radar. Parce qu'en gros, j'ai l'impression que les vibrations du téléphone sont un peu cheloues. Par moment, en fait, elles vibrent comme ça. Je sais pas pourquoi, il n'y a rien, mais ça vibre quand même. Donc, je sais pas s'il y a de la musique ou quoi. Ah si, il y a de la musique. Ah, là par contre, il y a un Evoli. On peut le capturer quand même. On se fera une petite séance d'évolution après. Tac, en super en plus. Donc on va aller un peu vers le Pokéstop qui est juste devant moi. Du coup, vous voyez pas grand chose en fait.
de tout ce que je vois. Mais bon, après, c'est vrai que ce parc est assez basique, hein, en soi. Donc, l'Evoli, c'est pas un Pokémon très difficile à attraper, hein, personnellement. Les plus difficiles au jour d'aujourd'hui à attraper, à mon avis, c'est tout ce qui est Rookool, Rattata, les Aspicots, Chenipan, toutes ces petites merdes-là. Vous savez pourquoi? Parce que juste à cause de ça, en fait, souvent, derrière, il peut y avoir comment ça s'appelle? Encore un Evoli. Ok, pas de problème. Ici, en fait, avant, c'était un spawn d'Abo, pendant un temps. Après, ça a été spawn de beaucoup de choses. Il y a eu Robodoo aussi, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, voilà pourquoi il y a vraiment pas mal de choses. Mais là, Onyx, pour moi, c'est vraiment un Pokémon que j'adore. Et qui, en plus... Oh, 3 Onyx, dont 2 au même endroit. Hein, c'est normal, après tout, c'est Noël. Donc, si de toute façon le Pokémon s'en va, si le Pokémon s'échappe, le jeu va nous le dire. Tac, tac, les PC. Ok, donc pour l'instant, on a toujours nos 3 Pokémon dans le rat. Dans les arènes, voilà. Nos 3 Pokémon, mes 3 Pokémon sont encore dans leurs arènes. Donc, ouais, c'est un peu étrange. Parce qu'en gros, dans le parc où je suis, il y a un sur la map du truc, il y a un petit marais. Et dedans, il y a des canards. Et les canards, ils sont pas dans le marais. Ils sont là où je suis habituellement. Ah merde, il s'est enfui. Salopard. Tu t'es enfui. Ah merde. Ah shit. Bon, bah on va aller aux autres alors, parce que celui-là, il va être un peu après, je pense. Et en fait, ils sont tous les 3 exactement au même endroit, à peu près à quelques mètres près. Ils sont juste les uns côté des autres. Donc, il ne nous reste plus qu'un kilomètre. Donc, les œufs, à la façon dont je fais là, ils éclosent assez vite. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà fait un kilomètre. C'est déjà... assez conséquent, on va dire, comme distance. Donc on va essayer de faire quelque chose. Je sais pas quoi vous dire, parce que là c'est 4. Il est où celui-là? Eh bâtard, je te demande celui-là. Ouais, ok. On va essayer d'aller à celui-là. Là, franchement, je vous propose une vidéo non montée. Ah, non montée, si tu veux la monter. Il n'y a absolument rien. En gros, je comprends pas. 4 Onyx dans le radar. 4. Tu sais, je sais pas. J'en ai jamais eu auparavant. Et là, j'en chope. Je pourrais en choper autant que je voudrais, quoi, quasiment. Donc, voilà. Je trouve ça un peu bizarre. Sur le principe, donc tac, on va aller par là. Et je vois à peu près où c'est. En fait, c'est là où il y avait la merde. Personnellement, c'est ça. En fait, c'est là où il y avait la merde. On va essayer de le choper. Et franchement, j'essaye de faire un max de points. En fait, parce que comme vous voyez, je suis niveau 21, c'est pas énorme. Et j'essaye aussi de faire un maximum de niveau, on augmente. Mais en fait, je vais pas prendre celui-là parce que celui-là est un petit peu long, on va faire encore le tour. Donc ceux-là, ils sont au top, donc on va prendre ceux-là. Vous voyez, on est juste sur le chemin, à peu près. Tac. Donc, ça a changé. Je sais pas, pourquoi ça vibre? Je sais pas si vous... Comment ça se passe pour vous, en fait, en termes de son? Vu que d'habitude, je mets pas forcément le son du jeu. Donc, est-ce que vous l'entendez ou pas en écho ou quoi que ce soit? Je sais pas. Donc là, ça va faire... Voilà. Et déjà, il y en a un. Donc, un niveau combien? 200. Ok. Pas de problème. Pas de problème. Niveau 200. Ok. What? Hop. Super. Ok. Avec effet 1. Moi, c'est vrai que j'utilise pas tous les buffs en bille, je préfère utiliser les effets.
mais ça marche pas tout le temps. Hop. Les befframbis, comme vous voyez, j'en ai une tonne, je m'en sers jamais. Les befframbis, je m'en sers absolument jamais. Hop. Ah, presque excellent. 1, 2, et fais chier, tu fais chier toi. Allez, une autre befframbie, de toute façon j'ai la collection. Par contre, je sais pas si j'aurai assez de Pokémon et tout le bordel. Ah, tu fais chier. Allez hop, on a touché. Donc je baisse et je monte un peu le son parce que vous voyez, je suis pas forcément tout seul, mais là je suis tout seul. En l'occurrence. Donc là déjà on a chopé 8 bonbons. 8 bonbons, 13 bonbons Onyx. Donc je vais aller prendre le Pokéstop qui est juste là. Parce qu'il est juste à côté. Donc hop. On est toujours à 4. Donc je vais juste le prendre. Et après je retourne vers le Onyx. Donc le but ce sera de choper un max de Onyx. Le but de cette vidéo, bon là elle va être assez longue parce qu'au final elle va vraiment être très longue. J'espère que ça vous déplaît pas trop. Parce que le but c'est vraiment pour moi de pouvoir vous procurer un bon gameplay, de bonnes choses. Et là c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Parce que c'est la première fois que je vois autant d'Onyx. Comme je vous dis, vu que j'en ai jamais eu avant. En gros je suis rentré dans le parc. Parce qu'à l'entrée du parc, il y a un Pokéstop. Et le Pokéstop, direct, paf, un Onyx. Donc, pour moi, c'était vraiment énorme, direct, bim. Un Onyx, un Pokémon que j'avais jamais vu. Et c'est parti tout de suite, quoi, en fait. Donc, voilà. Tac. Donc, on est à 1 km, on a fait la moitié de l'œuf. Déjà, donc, pour vous dire. Donc, un Nidoran. Un mâle. Tac. Donc moi perso j'utilise pas beaucoup les effets. Au début j'utilisais beaucoup mais après plus rien. Ok. Allez, un de plus. On va essayer de le capturer lui aussi. Niveau 300. Merde, je suis vraiment con, hein, je lance vraiment mal. Ouh, un super. Oh, lui, il était presque excellent. Donc, un seul. Mais t'es malade. Bah, j'ai des befframbis, hein, je m'en sers maintenant. Parce que... Là, mon objectif, c'est d'attraper des Onyx. Donc, je vais y veiller. Donc, un super plus une befframbie plus un effet. Là, il doit rentrer. 2, 3, voilà. Donc, je pense que c'est... Même si c'est qu'une Pokéball... Je pense que c'est le niveau. Un bon niveau. Oh, un Evoli, cool. J'aime bien. En plus, un bon niveau quand même. Donc, après, on va se faire une petite séance d'Evo. Et là, on sera pas mal. Après, on va compter le nombre de Onyx qu'on a attrapé. Parce que je pense qu'il y en a pas mal. Et en plus, il se barre. Je vais te faire fouler. Ah là là là. Donc, là, le problème, c'est qu'on a. On peut pas, on peut rien faire en fait. Parce que je peux pas faire la même strat que j'avais la dernière fois. Oh, encore un Onyx. Là, je crois qu'il y en avait deux ici tout à l'heure. Hein. Niveau 12. What? Ah, j'ai pas lancé, c'est bon. Donc, un joli. 1, 2, 3, 4. Non, quand c'est en vert, ça veut dire qu'on peut faire une mission de la traverse. Donc, tac. Est-ce que vous voyez ce que je vois ou... Ah, mais c'est à l'autre bout du monde là-bas. Là. L'endroit où je peux pas accéder maintenant. J'essaye de voir en fait où sont les Pokéstop. Ok. Donc on va continuer un peu tout droit. Et puis. Ah merde. Donc j'en ai que 3.
Ah, c'est pas mal déjà. On va continuer par là. Donc un petit évoli. Allez, bim. Donc comme vous voyez, peut-être que je fais pas forcément de trucs super. 509. Le meilleur que j'ai eu, c'est le petit évoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà le onyx. Il n'y a même plus de Pokéball. Alors 1, 2, 3 pour moi. Ok, ok. Un autre. Allez. Allons-y en plus. 1, 2. Comme vous voyez, il y a beaucoup de mix. Hein. Je suis pas mytho, hein, j'ai rien fait du tout. Quel record, mon gars. Donc un petit joli, j'espère avoir assez de bonbons. 2, 3, allez, bim. Donc, hop, on tient un rideau de cornes. Par les cornes, ah non, pas, par les coups. Donc on n'a pas encore assez, hein. On n'a pas encore assez du tout. Oh, il y a un Pikachu dans le radar. Oh, j'y vais tout de suite. J'y vais de suite. J'ai pas eu beaucoup de Pikachu, mais je sais que quand il y en a un, je vais sauter sur l'occasion. Donc là, je vais pas trop m'embêter. Hein, on va courir. On va pas courir parce que je suis pas comme ça. Je sais pas si vous me connaissez bien hein, depuis le temps. Mais je suis pas un mec qui court, moi. Je suis un mec qui prend son temps et qui aime bien ça au final. Putain, c'est une grosse chasse aujourd'hui. Que des Pokémon qui sont pour moi assez rares, parce que j'ai jamais eu encore ces Pokémon. C'est vraiment énorme. Pikachu, je l'avais jamais eu, je l'ai eu deux fois aujourd'hui. Et donc voilà, Pikachu, je l'ai jamais eu. Ok. Pikachu, je l'avais encore jamais eu. Aujourd'hui, j'ai eu encore pas mal d'autres choses, hein. Alors là, faut pas que je la loupe parce que j'en ai qu'une. Alors. Voilà, hop. Là, si je l'ai pas, c'est qu'il y a un problème. 1, hein. 2, 3. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est le deuxième Pikachu que j'ai. J'ai pas eu beaucoup de Pikachu. Donc, le Pikachu de Noël avec le bonnet. Donc, vraiment, vraiment pas mal. Donc, tac, tac. Ah merde, il est trop. Mais comment ça, t'es trop loin? Donc, tout à l'heure j'y étais dessus, je l'ai eu, j'aurais pu l'avoir. Donc tac, on va essayer de choper celui-là. Non, c'est juste à côté, voilà. C'est parfait. Donc tac, tac. Par contre, c'est vrai qu'il est plutôt bien mon téléphone finalement, parce que comme vous voyez, il n'y a aucun lag. C'est vraiment super bien, mais bon, après le fait que je sois en 4G constante, qu'il y a tout le temps la 4G, c'est vraiment un truc très très bien. Au final, voilà, hop. Là, en gros, vous voyez, on est revenu au point de départ. Hein. Je vous mens pas. On est revenu au point de départ parce que c'est là que se concentrent tous les Pokéstop et tout, en fait, de complètement tout. Donc voilà, mais là je tourne en rond depuis tout à l'heure, hein, clairement.
J'ai fait des grands tours et tout ça, mais je tourne quand même en rond. Voilà. Et là, vu qu'il y a des travaux devant, je peux pas passer. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, même pas en CSP, c'est peut-être ça. C'est peut-être le 8ème, j'en sais rien. Alors, 1, 2. Ah non, pas 3, de toute façon, c'était trop simple pour le 3. Oh, si, je l'ai passé. Alors, 1, 2. Quoi, ça sert de se compliquer la vie? Ah, mais c'est ici le truc. Okay. Tac. Donc, hop. Tac, tac. Donc, là, sincèrement, je dis ça parce que je m'en fous. Voilà. Putain, 400 en plus. Je veux pas qu'il me file entre les pattes. Hein. Sincèrement. Sincèrement, là, je sais même pas quoi dire, hein, franchement. J'ai jamais eu autant de Pikachu de ma vie. Déjà, ça fait pas longtemps. Hein. Quoique si. Hop. Ah, putain, fais chier. Tac. Hop, un joli en plus. Et de 1. Et de 2. Et pas de 3. Ok. Ben, j'ai vraiment peur qu'il s'enfuit, ce con. Je dis clairement, j'ai pas encore de Raichu. J'ai pas encore. Mon Pokédex, clairement, il est pas plein. Hein. Il est très loin d'être plein. Les starters, j'ai toujours les starters de base. Donc en gros, Salamèche, Bulbizarre et. Comment il s'appelle Carapuce. Voilà. J'en ai pas d'autres. J'ai rien de plus. C'est vraiment. Wow. Bon, je vais quand même le capturer. Lui, c'est pas mon préféré. Mais bon. En plus, il a un niveau de merde. Je veux pas être méchant, mon petit Krabi, voilà. Mais t'as un niveau de merde, voilà. Donc là, on va pas tarder à faire la séance d'évolution et puis peut-être à s'arrêter là parce que c'est vrai que c'est quand même. Oh là là. What? J'ai attrapé 3 Pikachu et j'ai le droit hein, à une médaille. Ok. Si tu veux, hein, donne-moi tout ce que tu veux, hein, même si tu me donnes ta femme, tes enfants, tes gosses, je m'en fous. Ça passe aussi. Bon, c'est une blague. Hein. Bien sûr, c'est une blague. Je m'en fous de ses gosses. Sa femme, à la rigueur, mais ses gosses, je m'en fous. Voilà. C'était une blague aussi. On va pas se prendre comme ça. Donc, hop, voilà les Onyx. Allez, un de plus. On va compter le nombre de Onyx qu'on a pécho durant cette chasse assez impressionnante, hein, beaucoup, parce que franchement, là, je vais utiliser quand même quelques Super Balls. Je vais pas dire, mais j'en ai beaucoup. Pff, oh, si je les foire aussi. Tu vas arrêter de sauter un peu. Oh putain, sérieux. Super. Allez, bim. Ok, pas de problème. Rentre-moi là-dedans, putain. Vous voyez, c'est ce que je dis. Hein. La 960... Merde. La 270 qu'on a eu tout à l'heure, elle est rentrée sans problème. Et elle, non. La lui ou elle. J'en sais rien. Mais allez, pourquoi tu rentres pas au caray? Lui, je suis un peu hésitant sur les attaques. Sur les lances, en fait. 1, 2... Voilà. Pour l'instant j'ai de la chance, j'en ai encore loupé aucun. Donc voilà. Donc, hop. Un évoli, on prend. Je prends tout, hein. De toute façon je vais vous faire des séances d'évolution là. Paf, allez un petit super. Allez, 1. Et 2. Et 3. Voilà. Les évolis par contre je pense que c'est les trucs les plus simples à capturer. France. Mais bon, en fait, ce jeu est démesuré parce que un niveau, un petit niveau 100 ou 200 peut te foutre la misère, mais un petit niveau 500 ne te foutra pas la misère, quoi. Parce que, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. En fait, soit ça peut aller très vite et pas t'emmerder, soit par contre, ça peut être tout le contraire. Donc après, je ferai le tri parce qu'il y a beaucoup de Pokémon en fait que je veux pas. Tac.
Tac. Oh, un vélo fait. C'est cool ça. Ok. Un seul. Un, deux, trois. Bon, ok. C'est nickel. C'est pas osaï. Tac. Voilà. Zéro problème. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Bon, pour l'instant, il n'y a plus de onyx. Donc, je pense que là, on va se faire la petite. On va prendre le Krabi, ça fait toujours l'XP. Ah, quand même! Ah, quand même! Ah, quand même! Donc, ça fait toujours l'XP, mais bon. Au niveau 500 cochon 2 3 voilà c'est dans la poche donc on va faire encore 2-3 pokéstop et après je pense qu'on va s'arrêter. Ok, tout calme, tout calme, le petit bilodé bilofé 400. Donc là comme vous voyez j'utilise vachement les beframbis, d'habitude mon serpent. Il se fout de ma gueule. Clairement, il se fout de ma gueule. Alors, 2-1. 2-2. Et fils de... Ah merde. Voilà, tac, tac. Donc, on peut toujours avec les... Hop. 1. 2. Wow, voilà, c'est parfait. Donc comme vous voyez aussi, je suis pas super bien rasé. J'attends les fêtes, hein, et puis on verra. Bon. Donc voilà. Nickel chrome. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un paras, super. J'ai trois parasecs. Hein. Pour info. Regarde. Oh, tu te fais chier, toi. Donc, aussi, je voulais vous présenter par la même occasion une petite appli. Super sympa et tout. Donc voilà, une petite appli super sympa qui permet de ah, dommage. Dommage. Je pense qu'on va faire évoluer au moins un Evoli. Ah, il est passé quand même. Je pensais pas qu'il serait passé celle-là. Hein. Allez. Oh, je vais me faire poignarder là. Clairement, je vais me faire poignarder. Oui, parce qu'en gros, voilà, l'Evoli vient de se barrer. Et... Oh. Oh bah ça tombe bien, c'est là que je voulais aller. Donc à choper le dernier Onyx de cette vidéo, parce que là franchement c'est vraiment le spawn à Onyx, on peut pas dire autrement. Il hein. N'y a que ça, des Onyx de partout. Donc on va compter combien on en a eu. Juste pendant cette vidéo. Je pense qu'on doit pas être loin de la dizaine. Hein. Donc en ce moment ici c'est un poké. À spawn justement à Onyx. Voilà. Donc, c'est le T-car des Onyx, tu vois. Donc hop. Après j'espère franchement que ça vous plaît, que la vidéo va être plutôt sympa, sincèrement, parce que là, bon. Ouais, il n'y a rien qui spawn mais il vibre quand même.
Le truc est un peu chelou quand même. Donc voilà. Donc là, normalement, ce Pokéstop résume en fait le fait que là où il y a le Pokéstop, c'était une ancienne écurie. Donc là où il y avait des chevaux, bien sûr. Mais avant. Voilà. Allez, un petit Onyx pour finir la vidéo. Conclure la capture. Allez. Les captures. Ouais, ok. Bon, bah, c'était pourri. Mais au moins, on l'a one shot. Hein. Sérieusement, on est au niveau 40. Un petit Milofé. Sympa. Tac. Donc, le jour où je. En fait, aujourd'hui, on est le 20. Le 15, dans 10 jours, c'est... Fils de... Donc dans 10 jours, c'est Noël. J'espère que vous allez être gâtés. Enfin, le jour où je tourne la vidéo. Hein. Parce que certainement qu'il sera certainement peut-être le 20 quand je vais publier cette vidéo. Donc, ce sera peut-être même peut-être pour vous le jour de Noël. Ou même peut-être le jour de l'an, ou je ne sais quand. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Pour moi, Pokémon Go, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours... T'as pas dire... C'est quoi, celui-là? What the fuck? Il est où? Ah ouais, en gros, il est en dehors du parc. Bon, il s'enfuit, tant mieux. Et lui, il est aussi au même endroit. Ok. Ouais. Oh, il y a un Pikachu! Il est devant, il est devant. What the... Ok, 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 ok mon petit gars. Et un Pikachu de Noël encore devant. Sincèrement, je suis sur un super spot. Tous ceux qui habitent dans la région lyonnaise. Mais je pense que même le parc de la Tête d'Or dans la région lyonnaise, c'est déjà un bon spot. Mais ici, c'est énorme, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, comme vous voyez, j'ai pu garder mes trois arènes suffisamment de temps pour aller les choper. Donc, hop, j'ai gardé mes arènes suffisamment de temps pour prendre les trois arènes sans qu'on fasse chier et les garder. Donc c'est un très bon spot, je vais vous le donner parce que franchement là, c'est énorme. En ce moment, c'est un Pokéstop, c'est assez... Ah bah voilà, c'est fait. Donc 1-2 km. Un racaillou. Ok, j'ai un Gravalanche, mais pas de Grolem encore. Ok, pas de problème. Donc voilà, je vais en remettre un autre. Mais celui-là, il éclora pas, je pense. Non, parce que j'ai pas de 1. J'ai pas de 2, je veux dire. Donc je pense qu'il éclora pas durant cette vidéo. Donc voilà. Le Pikachu de Noël. Salut les amis, c'est MM Simulator. Donc on se retrouve... Non, bah non, bah c'est la suite de la vidéo. Donc j'ai eu un petit problème technique sur Pokémon Go. Donc là, je ne suis plus avec le harnais, il n'y a plus rien. Hein. C'est juste moi. En fait, j'étais. Je voulais vous dire, parce que j'ai eu un petit problème, je ne sais pas pourquoi. La capture de mon écran de téléphone, en fait, s'est arrêtée. Donc ce qui fait que j'ai eu un petit pépin. En quelque sorte, et pas le bref, hein, juste pépin. Et donc on va se retrouver tout de suite pour que je vous fasse un bref aperçu de ce que vous avez entre parenthèses manqué. Donc tac, hop, ouais, commencer. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît, que vous avez apprécié les captures de Pokémon, etc. etc. Donc j'ai quand même eu une vingtaine de Onyx pendant cette vidéo. Donc je suppose que sur les 20, j'ai dû en capturer en vidéo bien 15, 16, voire 17, je ne sais pas exactement, je couperai certainement certaines choses parce que la vidéo était assez longue, donc une heure c'est déjà pas mal. Donc je pense que c'était parce que c'était trop long que en gros la capture de l'écran s'est arrêtée. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'avais fait? Tac tac tac, je regarde un peu. Donc je crois que j'avais fait évoluer un Smogogo. J'avais pendant la séance d'évolution, je crois, fait évoluer un Evoli. Ah non, peut-être pas. Non, celle-là, je vous l'avais pas fait en vidéo.
J'ai eu Smogo dans un œuf, donc je vais bientôt pouvoir le faire évoluer, mais éclore, mais je pense que je le ferai pas en vidéo ou je sais pas trop. On a fait éclore 5 œufs, je crois, donc je sais plus tout à fait. Tac, tac, tac. Donc j'ai eu 5-6 Pikachu de Noël, entre 4 et 6 Pikachu de Noël, donc quelques-uns d'autres que j'ai dû capturer avant ou après, je sais plus trop. Tac, donc je crois qu'on n'a pas eu grand chose de plus, je peux vous montrer. Dans le journal, normalement ça devrait pas être trop être mal, donc je vais monter peut-être un peu le son. Donc, merde. Magikarp m'a donné un bonbon, bam. Qu'est-ce que. Roucoule attrapé, roucoule. Je pense que. Un Pikachu s'est échappé, tic. Vous avez attrapé un Fantominus. Non, mais je sais plus ce que j'ai fait, mais il y a un moment où j'avais attrapé beaucoup d'Onyx. Et ça y est plus en fait, ça y est plus dans le journal ce que j'ai fait. Donc voilà, comme vous voyez, j'habite dans un endroit où il n'y a que dalle, parce que là je suis près de chez moi, je suis pas dans le parc où j'étais. Et ici il n'y a que Pouic. Ça c'est vraiment ce que je voulais aussi vous montrer. Donc déjà avec le nouveau radar, en gros on n'a rien d'indiqué à la campagne. Mais en fait, pourquoi il n'y a rien d'indiqué dans le radar? Parce qu'il n'y a strictement rien. Alors franchement, moi j'admire ceux qui ont des Pokéstops juste à côté de chez eux. J'aimerais bien y être aussi, mais je ne peux pas. Voilà. Donc voilà, en plus j'ai remis le petit bonnet de Noël. Voilà, paf. Je peux pas vous en dire plus. Donc j'ai eu un petit souci. Donc vous aurez quand même la partie de la vidéo. Mais en tout cas, ce que j'aurais coupé, parce que je pense que je vais en enlever un petit peu les parties où je marche, où je parle pas trop, je vais les enlever et puis vous voilà. Donc là je vous mets encore cette petite partie avec, et puis voilà, je crois que ce sera tout bon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres. Donc n'hésitez pas, c'était MM Simulator, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Là, merci.